Camille, je vais être très claire. C'est pas à vous de faire une thérapie, Camille. C'est à tous les connards de votre entourage. Toutes ces personnes toxiques qui gravitent autour de vous et qui vous prennent pour un paillasson, Camille. Tous ces suceurs d'énergie qui vous ont aspiré toute votre bienveillance, votre positivité et qui vous font croire que c'est vous le problème. Parce que non, Camille, c'est pas un souci d'être trop sympa, trop bienveillante, trop gentille. Non. Par contre, quand on est trop méchant, trop égocentrique, trop égoïste, eh ben ça, c'est un problème. Et c'est ces gens-là qui ont besoin d'une thérapie, Camille. Mais vous, vous allez bien, Camille. Sylvain, votre DRH qui vous a dit hier que vous étiez une godiche sans cervelle et qui vous a vu foncer aux toilettes en larmes. Eh ben, est-ce que Sylvain, il fait une thérapie, Camille? Non, Camille. Sylvain, il vous a craché son venin en pleine poire, il a pris son déca noisette et il est reparti bosser. Et en plus, il a rajouté que vous n'aviez pas d'humour, Camille. Eh ben, Sylvain, il est malade, Camille. Sylvain, il a besoin d'une psychanalyse longue et coûteuse. Mais pas vous, Camille. Vous allez sortir de mon cabinet, vous allez appeler les gens que vous aimez, qui vous aiment sincèrement, et vous allez vous faire un dîner réconfortant comme un poulet puré. Et vous allez, comme dit Maître Gims, vivre votre best life. Et demain, quand vous irez voir Sylvain, vous allez lui donner ma carte. Parce que moi, j'aide les Sylvains. Je n'aide pas les Camilles. Ok.